Non, je crois pas. Non, sincèrement, je pense pas que ce soit un problème physique. On a eu la chance et le talent de pouvoir marquer sur la première mi-temps. D'entrée de deuxième mi-temps, on a été privé de ballon, en fait. Et on n'a pas su sortir le ballon correctement et pouvoir surtout le garder et leur faire plus mal que ça. Donc, on a effectivement, après à 2-0, on a une ou deux occasions, notamment par Eddie Wahi, qui peut faire basculer le match. Mais après la possession, c'est eux qui l'avaient, qui l'ont gardé encore plus là, sur cette deuxième mi-temps. Et ça a été difficile. Quoi. Voilà, on s'est fait percuter. Après, bon, on prend un coup franc de Payet, où, voilà, ça passe dans le mur. Encore un peu de naïveté là-dessus, quoi. Donc il va falloir soigner encore ces détails, quoi. Ça se joue un peu sur des détails. Je reconnais que Marseille a une très belle équipe, mais ça, on le savait, que ce soit le staff ou les joueurs, on avait prévenu les joueurs. Ils ont une très belle équipe, ils sont en place. Comme on dit, il y a du talent. Voilà, je pense que le talent fait la différence aussi aujourd'hui par Payet et d'autres joueurs. Mais on a été vaillant, on a été courageux, on n'a pas été récompensé, quoi. C'est sur tout ça, quoi. Je pense qu'on pouvait tirer un match nul, même si ils ont peut-être plus d'occasions que nous. Mais le mérite de pouvoir nous ouvrir le score, d'en mettre une deuxième magnifique, je pensais qu'on pouvait tenir mieux que ça. Sí, bueno, lo vivimos con mucha intensidad porque nos fuimos el medio tiempo perdiendo 2-0, donde injustamente el rival pateó solamente dos tiros al arco. Nosotros tuvimos entre 8 y 9 chances de gol y no pudimos concretar. Para mí el primer tiempo fue muy bueno del equipo. El segundo tiempo tuvo la paciencia de poder mantener la idea, seguir controlando el juego y desde la pelota atacar con extremos profundos, abiertos. La entrada de Pipa era para profundizar un poco más el área y poner a Dean Payet un poquito más atrás para también que tenga, para tener más presencia en el área un poco más fija porque ya estábamos muy metidos en campo rival. Son situaciones de partido que uno va pensando que son posibles. Normalmente a veces salen, a veces no. Pero bueno, contento por el partido, contento por las emociones del partido porque espero que esto continue dans le temps. Alors, il y a eu beaucoup d'intensité. On est rentré à la mi-temps en perdant 2-0. Même si pour moi, c'était injuste. Ils ont eu, eux, seulement deux tirs cadrés. Nous, on a eu 8 ou 9 occasions plutôt franches qu'on n'a pas su concrétiser. Alors, on a fait une très bonne première mi-temps, selon moi. En deuxième mi-temps, on a été patient. On a gardé notre idée, on a continué d'attaquer avec des ailiers profonds en profondeur. On a mis Pipa justement pour avoir plus de profondeur. Payet jouait un peu plus derrière pour avoir plus de présence dans la surface. Après, ce sont des situations de match qui sont possibles. Des fois ça passe, des fois ça passe pas.